Salut à toutes et à tous, les petits amigos. Vous me voyez habillé assez légèrement, il faut bien l'avouer. J'ai perdu mon futal. J'ai fait la bagarre avec DZ sur un crash d'hélico. Ils m'ont cramados mon fut. J'ai plus de pantalon. Je suis obligé d'aller à Green Mountain en acheter un. J'ai pas le choix, parce que là, c'est pas très présentable pour faire du business. J'ai allumé ma radio, fréquence 91.9. Comme on l'avait dit, je suis prêt à faire du business d'essence. La dernière fois, vous avez vu qu'on était tombé sur des acheteurs qui n'étaient pas très sérieux. On espère que ça va mieux se passer cette fois-ci. Je suis prêt. Ma radio est en marche. Elle est là. Tout est bien. Donc, bah écoutez, on va voir comment va se passer la soirée. Pour le moment, comme vous me constatez, bah oui, j'ai trouvé un putain de gilet pare-balles. J'ai du gros armement. C'est Daisy, quoi. C'est le jeu de survie où tu te balades habillé comme un Spetsnaz, quoi. Oh là là. Allez, en avant. 91.9. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Allô, 91.9, vente de fuel en direct. Personne intéressé? Putain, la radio, ça bouffe les piles à une vitesse, sans déconner. La dernière fois, ma pile, elle m'a fait, je dirais 2 heures de jeu, à peu près. Alors, apparemment il y aurait du trade d'essence ce soir. Ouais, après il va falloir faire un super plan foireux. Bah déjà si on arrive à vendre un baril, ça sera déjà un joli. Non mais ce qu'on va faire, on fera comme j'avais prévu là, on va... Il y en a un qui va à Green... À la limite toi, tu montes à Green Mountain. Tu vérifies que les mecs ils nous aient fait le transfert, et moi je me mets dans le sas avec le bidon, et je leur file le bidon. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'embrouille. Commande, 300 il me faut. 300 pour avoir un futal, putain. Fiat, réchauffé, prêt du feu, sinon tu vas prendre froid là. Hein. Voilà. T'inquiète pas, camarade, j'ai un futal, c'est bon, je suis sauvé. Tout va bien. Est-ce que tu vas acheter de l'essence, camarade? Ça t'intéresse? Non, merci, pour l'instant, nous n'avons pas besoin. D'accord. Et on ça m'intéresse. Tu peux regarder la viande s'il te plaît Ouais, je m'occupe de la fiente. Mets-la par là, si ouais. Ça vous dérange pas. Ouais, voilà, c'est possible. Écoutez, ça tombe bien, regardez, là j'ai la clé de ce bureau là. Ah ouais, ça si c'est bon ça, rentrer. Voilà, discutons dans le calme. Voilà, on va fermer la porte tranquillement. Déjà, bonjour. Alors moi je me présente. Ouais. Je me présente, je m'appelle Martial Lagal. Ok, moi c'est Fred, Fred le Furieux. D'accord. Dis donc, mais il y a des cris, j'entends des cris dehors. Ah ouais? Ouais, ça braille là. Alors, vous appelez comment, Fred? Fred, Fredo, tu peux m'appeler Fredo. Fred, Fredo le Curieux, c'est ça hein? Le Furieux même, Curieux aussi, mais je suis plutôt Furieux. Ah, le Furieux. Ah ouais. D'accord, Furieux, ok. Voilà, alors je suis l'heureux dépositaire d'un baril complet, hein. De 200 litres de fuel qu'on vend 300 000 roubles. 200 litres? Ouais. 300 000 roubles? Ouais. Ça fait 15 balles le litre, 15 euros le litre à peu près. Alors. Ouais, bon, c'est correct. Ouais. En fait, moi, je vais être franc avec vous, je vais vous expliquer. Ouais, ouais. Voilà, moi, je m'appelle Martial Lagal et mon ami que vous avez vu dehors, c'est Jonathan Franz Krause. Ouais. On est journaliste, hein, d'accord, d'accord, au Nouveau Souffle, hein, qui est le journal officiel. Ouais, j'ai vu. De vous n'avez pas que des amis, de toute évidence. Non, bah, puis écoutez, voilà, les gens, ils ont une mauvaise critique de nous. Enfin, ouais. Bah, c'est moi, je comprends pas forcément, mais bon, voilà. En fait, voilà, moi, je serais déjà, d'une part, je serais intéressé par l'essence, parce que bon, en ce moment, ça court pas les rues. Ouais, mais c'est mon journal, en fait, qui doit payer, parce qu'on s'en servira pour ça. Normal. Donc, pour ça, je vais vous recontacter très rapidement. Très bien. Et deuxièmement, J'ai envie de vous dire d'où vient cette essence, quel miracle avez-vous eu de l'essence? Trouvé dans un fossé, un baril plein dans un fossé, je ne vais pas vous en dire plus bien entendu. C'est moi. Bien sûr, c'est à tout votre honneur, votre bien, tout à fait. Attendez une petite seconde, il faut que je me gratte l'oreille, ne bougez pas. Ah voilà, ça y est, c'est bon, j'avais un truc qui me grattait dans l'oreille. Il n'y a pas de souci. Donc...
Est-ce que vous avez souvent des choses à vendre comme ça ou c'est C'est exceptionnel? assez exceptionnel, mais je pense que ça peut se renouveler si besoin. C'est possible, tout est D'accord, il suffit possible. de fouiller dans les fossés pour voir si on peut Bon, retrouver ou un truc voilà, comme il faut ça. être attentif et curieux, et au bout d'un moment, on arrive toujours à trouver ce que les gens demandent. Quand ça va. D'accord. Ouais, bien d'accord. Bon, en étant d'accord que, bien entendu, vous l'avez trouvé dans un fossé, moi, si je croise des gens de l'étoile rouge et qui me demandent où est-ce que j'ai eu cette essence, est-ce que Ah, je peux dire que je vous bah, l'ai acheté? oui, tout à Ou fait, hein, alors, tout à fait. pas du tout. Ah, vous pouvez Pour tout les à fait le chamars dire. aussi? Ben, vos chamars? Je suis Union de Tchernard, hein, moi, vous avez mon brassard. Hein. Ah, pardon, je Je n'avais pas fait suis un attention, je suis sympathisant. Alors, désolé. je sais qu'on est en plein milieu des terres de l'étoile rouge, mais de toute évidence, ça n'a pas l'air de poser de problème majeur. Donc, ouais, d'un point de vue purement business, quelqu'un nous écoute à la fenêtre. Bonjour, camarade. D'accord, les murs ont des oreilles. Je crois que c'était votre Ouais, camarade. non, mais C'est un attendez, petit curieux, ce n'est pas grave. non, non, mais écoutez, on va monter à l'étage avec Ouais, mes non, mais ce n'est pas copains, grave, ce parce n'est que pas grave, ce n'est pas là, grave, on il n'est n'y a rien pas. de secret. Vous pouvez leur dire, donc, j'ai déjà communiqué sur quelques organes radio, le fait que j'avais la possibilité d'avoir un peu d'essence. Et de toute Ouais. façon, les échanges se feront, par radio, hein. Donc, on fixera un point de rendez-vous qui est déjà déterminé et, le paiement se fera par virement ici, d'accord? D'accord, il n'y Pour a pas de souci. éviter tout souci. Autre chose, pour revenir bon, aux membres de l'Étoile Rouge, Ouais. vous savez, nous on est neutres, hein, on n'est pas là pour prendre parti à qui que ce soit. Ouais. Moi je me suis laissé dire que c'était pas des gens très corrects, forcément. Ah, le problème, Et c'est qu'est-ce que vous que pourriez me dire là-dessus? je ne peux pas vous en dire plus. Je suis arrivé il y a très très peu de temps en fait, mais j'avais des amis qui étaient installés côté de Tchernard, donc j'ai sympathisé directement avec l'Union de Tchernard, qui m'ont semblé assez raisonnable. Pour le moment, j'ai pas eu spécifiquement de contact avec des gens de l'Étoile Rouge, donc je peux pas vous en Qu'est-ce que dire plus vous, que qu'est-ce ça. que, qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que les gens vous ont dit qui pensaient de ces gens-là? Ah, pour le moment, je fonctionne plutôt en circuit fermé, c'est-à-dire que je vois mon contact régulièrement, mais sinon je suis avec des amis, on s'est installé dans un petit village voisin, et on a été assez occupés avec notre installation. Donc, vous comprenez que j'ai pas eu le temps D'accord. tellement de faire de la géopolitique à l'heure actuelle. Ok, très bien. Autre chose, comment Oui. Quelle est votre comment dire votre politique? C'est-à-dire en fait si vous croisez quelqu'un, peu importe qui c'est, hein, il a une arme en main, quoi que ce soit, qu'est-ce que vous faites? Vous lui tirez dans la gueule, vous discutez, Non, 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 nous on vous. va l'ignorer. Nous on est là pour faire des affaires. On ne cherche pas spécialement à faire ami-ami avec Non, les mais ce que gens. je veux dire, si moi vous me croisez par Comment exemple dans une zone de guerre, vous savez pas si je vais vous parlez-vous? tirer dessus ou pas. Comment vous réagissez, Je ne vais pas aller dans les zones de guerre. Vous n'allez pas aller dans les zones de guerre, mais si quelqu'un vous menace par exemple de son arme, vous faites quoi? Vous levez les mains et vous dites allez, prends-moi ce Oh, que j'ai, ou écoutez, alors vous lui tirez dessus. en fonction, on fait toujours en fonction de ne pas être menacé. Ça évite les soucis. Nous, ce qu'on cherche surtout, c'est éviter les soucis. Donc, on fait en fonction pour éviter tous les soucis. Voilà, D'accord, c'est d'accord. comme ça. C'est notre philosophie. On est là pour du business. Nous, on sait s'adapter suivant les situations. Dans le principe, on n'est pas là pour faire du mal aux gens. On est là pour faire du business avec les gens. Ouais, ok, très bien. Voilà. Le business d'abord, on va dire. Bah, l'argent avant tout. D'accord. Donc, l'argent avant tout. Tout à fait. Oui, après, l'argent, c'est les nerfs de la guerre, hein, on sait bien. Donc. Voilà, nous on est d'origine calabraise, hein, donc on est traditionnellement depuis assez longtemps dans les affaires. Donc bah écoutez, on peut rendre service sur plein de sortes de choses, on peut trouver des choses, on peut voilà. Il n'y a pas de problème, on est des calabrais en fait. D'accord. Et une question, moi j'ai eu un souci, et là c'est rien à voir avec mon métier de journaliste, mais j'ai eu un petit souci il y a peu de temps en fait avec un mec, enfin je vous explique. Je suis rentré chez moi et J'essaie donc de dire quelque chose, mais le comment je sais pas. le Je mec vous entends était très couché mal, avec ma rendez-vous femme. J'ai honte de le quatre-vingt-cinq. dire, mais voilà, Ouais. il était couché avec ma femme. Moi si je veux lui faire péter ses deux jambes par exemple, ça me coûterait quoi? Je peux pas vous dire ça dans l'immédiat. Il faudrait qu'on voit plus tard. Pour le moment, on n'est pas assez installé pour avoir des contacts qui pourraient vous faire ça pour nous. Voyez. D'accord, et mais ça Mais serait dans vos cordes. c'est pas exclu qu'on trouve un contact qui vous fasse ça pour un tarif raisonnable. D'accord. Voilà, on le fera pas Bon, nous-mêmes, très hein, bien. toujours pareil, parce qu'on sait jamais. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour mettre les gens en Oh. relation, quoi. D'accord. Moi, j'ai envie de vous dire, avec vos amis ou dans votre groupe, je sais pas Oui, comment vous on est tout qualifiez à ça, fait un groupe de calabrais. j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes le chef, un leader? Vous êtes plutôt Non, non, un non, 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 esclave, non, 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 un.
non, non, on est à part égale dans notre business. Nous, généralement, on est des associés. On est trois associés à l'heure actuelle. D'accord. Et Voilà. dans les trois associés, il n'y en a pas un qui commande plus, hein, Non, disons non, que non, tout non, le non. monde, Inutile, comme on inutile dit, dans et les tout ça. affaires. Il n'y a pas à commander. C'est l'argent qui commande. D'accord. Et donc, et vous êtes le dernier arrivé du groupe? Non, non, du tout. On est arrivé en même temps, quasiment. On est passé par la frontière nord et on a réussi à rentrer dans la zone. D'accord. Est-ce que ça vous dérangerait de me faire voir votre visage? C'est tout à fait possible. J'ai mis ça, c'était surtout pour éviter les courants d'air, parce que j'ai tendance à moucher du nez assez Ah, ok. souvent. D'accord. Donc, Voilà. très bien. Bah, écoutez, je suis enchanté parce que d'habitude, les gens ne veulent pas nous faire voir leur visage. Je sais Il n'y pas a aucun pourquoi, hein, problème, nous d'ailleurs, on n'a pas de problème avec ça, on n'est pas des hors-la-loi, on est mais... tout à fait gentil, on aide les gens. Si on peut, bien entendu, D'accord, tout très bien. ça, évidemment, nécessite rémunération, forcément. D'accord. Donc je vais être obligé de vous laisser, camarade. Je suis joignable sur la fréquence 91.9 pour des business d'essence. D'accord. Voilà. Eh ben écoutez, je vous ferai une petite publicité et puis d'ici très peu, je pense qu'il y aura un article sur vous Bon, sur écoutez. le journal. Ah, si vous voulez jeter un œil. Nous y Et jetterons un œil. J'aime bien qu'on commente Oui, vos mes publications, articles. quoi. Ah, Ouais, ouais, d'accord. voilà, j'aime bien qu'on les commente, donc si Ok. vous voulez. Ensuite, je vous explique que la pièce du bas, c'est notre bureau. D'accord. Vous travaillez ici, vous, donc en Ouais, pleine étoile d'accord, bon, rouge, c'est quoi. mieux pour être plus discret, Ouais. mais en bas, c'est notre... Ouais. Ouais, non, enfin, on n'est pas de l'étoile rouge, en fait. Comment vous Nous, on est expliquer que la mi-étoile rouge, situation ne mi-Charnard, soit on pas est plus neutre, on tendue? est... Parce que là, par exemple, moi, je me promène avec un brassard de Tchernard en plein territoire étoile rouge et ça n'a pas l'air de poser de problème majeur. Ouais, bah peut-être les gens ont peur de vous, je sais pas. Enfin, moi je me suis laissé dire qu'en ce moment Peut-être que c'était pas l'étoile ça, rouge donc n'existe pas. C'est peut-être une invention du gouvernement. Ouais. J'avoue en Bah. avoir très 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 peu croisé de gens de l'étoile rouge. Hein. Ouais, bah écoutez, c'est vrai qu'il y a un moment, j'ai pas qu'on. Ou alors, je sais pas, où il se cache. Hein, Voilà, je ne sais peut-être pas. qu'il se cache, on ne sait pas. Nous verrons. De toute façon, Ouais. l'essentiel, c'est que le Et bah business suive écoutez. son cours. C'est l'essentiel. Oui, c'est ce qui compte, hein, d'accord? Voilà. Nous, pour l'instant, voilà, on se fait pas tirer dessus, donc on est content. C'est une bonne Hein, chose. d'accord? Bon, bah Écoutez, écoutez, je vous sur souhaite ce, la bonne sur ce, journée, sur ce. les bisous, et je vais Pareil. rejoindre mon groupe. Et donc, Et puis. voilà. Si clients sérieux et ayant les fonds, bah, vous nous contactez pour de l'essence. Hein. On détaille pas en dessous du baril, hein, N'y a pas de d'accord? souci. N'y a pas de souci. Bah écoutez, je vous dis peut-être à bientôt. Ça Au marche. revoir. Allez, à bientôt, camarade. Yup. Ok les Yup. amigos, je suis de retour. Avec Oh, mon pantalon. alors. Bah je viens de Ah. discuter avec le journaliste là qui a fait l'interview sur Urban là, qui a l'air d'être un sacré coyote. Et je me suis acheté un pantalon. Je n'avais plus de pantalon. Et donc bah lui peut potentiellement être intéressé par de l'essence aussi. Peut-être. Qui c'est qui parle à qui Donc, là? je m'appelle Will Smith Oh là parce que là l'autre fois, je cherchais de l'essence. La bonne journée les camarades. Ah oui. Bonne journée, à bientôt, au Salut, revoir. vous avez des trucs prévus? Mais tout le monde. Non, 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 je suis dispo. Moi, j'ai même allumé ma radio. D'accord. Est-ce que vous voulez faire un tour de l'écho? Voir quelque chose de spécifique? Est-ce que vous voulez mourir en début de soirée Est-ce surtout? qu'il y a du business d'essence à faire? Oui, on veut faire un tour d'hélico, bien sûr. Bah après, tu vas pas mettre une porte. Après, Oh. Ça cartonne sa race en bas de Green Mall, là. J'ai eu peur, je croyais que c'était sur moi à un moment. Oh, mais c'est de ce côté, hein. Ouais, je prends les clés de l'hélico. Allez. On va Je faire un vais vous petit tour. chercher chez vous. Donc le mec Préparez qui. une fumée pour me Mais oui, faire bien RP. on en a pas, mais ce n'est pas grave, on fumera des clopes dehors. Donc apparemment, on a une possibilité, oui, je disais, de vente de pétrole ce soir. Il y a un mec qui avait l'air d'être motivé par transmission radio, mais je sais pas, D'accord. j'ai pas eu de suite. Oh, quelqu'un m'a parlé ou quoi là? Qui est à la maison, qui court, qui sort de la maison. Moi. Je vais prendre un pruneau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se répare avec quoi les sacs à dos et puis avec du scotch? Y a quelqu'un Plutôt qui la me trousse parle. cuir. Attends, attends. Qui c'est qui me parle? Allô? C'est dans la radio? Ah oui, parce que moi j'entends rien là. Pareil. Allô, allô, la radio. Tu me reçois? Pour l'essence.
Ouais, je te reçois, mais je reconnais ta voix et j'ai pas tellement envie de te vendre de l'essence, d'accord? Ah oui, vous savez ce qui s'est passé, monsieur. Je sais ce qui s'est passé, monsieur. On en a réfléchi avec mes collègues, vous savez. D'accord. Et en fait, on croyait que c'était une entourloupe, vous voyez. Non, 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 nous on est des commerçants honnêtes, on fait pas d'entourloupe. Hein. Mais un hélicoptère, je tire dessus. En discutant avec mes collègues, j'ai rendu compte que c'était Je peux y aller, je suis pas parti. Alors, je vais me mettre un peu là-bas. Potentiellement un échange Dans est l'enjeu. faisable, mais à nos conditions. Bah ouais, c'est normal, je suis encore radio. Ah. Et comment tu changes Est-ce la que vous pouvez fréquence? m'en dire, j'ai pas compris, il y a un hélico qui Ouais, arrive. exact. Donc je Prends ta disais, radio. l'échange se fera comme d'habitude à nos conditions. Alors on a changé un petit peu nos conditions pour que tout le monde soit content. Donc c'est toujours. Alors c'est 300 000 là maintenant, d'accord? Oui, vous inquiétez pas, on est Ok, parti. donc vous êtes combien? Vous êtes au moins deux à acheteur? Alors, on est deux, Ouais, oui, deux, c'est on est très deux. bien. Un de mes Calabrais ira se positionner à Green Mountain pour vérifier que le virement a bien eu lieu, d'accord? Et on fera l'échange dans ma maison, ok? Oh, ouais, il faut à peu près, on vous a un peu observé, Oui, on bah est on habite, passé on n'est devant pas caché, hein, on habite Rogovo. vous. D'accord. Voilà, nous on habite Et Rogovo, du donc coup, c'est comment? à vous là, là. Pas besoin de nous raid, Mais il c'est n'y a pas pas de la stock. vôtre, Lada verte? Si, on a une Lada verte aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé, vous me rejoignez à Rogovo pendant que votre collègue va faire le virement à Greenmo. Je vous donne le baril qui sera dans le sas de ma maison, hein, dans le sas de sécurité. Dès que la transaction est faite, je vous ouvre la porte, vous pouvez partir, pas de problème. Et je dois venir seul? Bah oui, vous n'avez pas besoin d'être 12 pour porter un baril, j'imagine. Ouais, mais moi j'ai pas de place dans ma bagnole. C'est lui, j'ai pas ses clés. Il Eh est ben, près de vous, Paris. vous allez faire le virement et lui, il vient ici pour prendre le baril. Facile. C'est pas moi qui ai l'argent, c'est lui. Et bon, bah, c'est compliqué. Ce Donc que on je vais faire, je fait. vais vous laisser vous mettre au point, les Si gars, on d'accord? Et fait. puis, mettez-vous au point, c'est assez Ou alors compliqué on avec fait vous de l'échange à la travailler. montagne verte. Non, je On viens de fait vous dire où on faisait l'essence. l'échange à la montagne verte. Non, on va le faire à Rogovo. C'est-à-dire D'accord. que vous allez faire un virement à Green Mountain et vous allez. Pendant ce temps-là, il y en a un qui va venir à Rogovo, un seul. Il va rentrer avec moi dans la base, je vais fermer la porte, il va regarder le baril, très bien. Et puis, bah, dès que la transaction est faite, j'ouvre la porte. Sinon, il sort pas. Il reste avec nous jusqu'à ce que ça soit fait. Est-ce que ça vous semble assez clair? Pardon, j'ai pas bien compris. Il y a un truc qui m'a attaqué là. Vous Oh là, vous avez disiez. des problèmes sociaux, vous, ma parole, non? Non, mais je suis dans la forêt à côté de la montagne verte D'accord. et y en a un Donc, du militaire, il m'a sauté dessus. j'ai un de mes collègues qui va aller à Green Mountain. Vous allez lui faire un virement de 300 000 balles. Il va vérifier que le virement est D'accord. fait. Et pendant ce temps-là, en même temps, il y en a un de vous deux qui va venir me voir à ma maison. On va rentrer dans ma maison. Et dès que le virement sera fait, que j'aurai la confirmation radio, je vous donne le baril, je vous ouvre la porte et vous pouvez partir tranquillement avec de la bonne essence de première qualité. Est-ce que ça vous va? Putain, ils sont compliqués, eux, hein. Ouais, je vais voir ça avec mon collègue. Par Il contre, y a un journaliste là, je pense. ouais, le journaliste, je le sens moyen. Par contre, Ah il va oui, fa... bah Vers quelle heure vous vous ai pensez faire entendu ça? Parce qu'on a parler. des trucs à faire là. Maintenant, vous êtes disponible? Ah bah si ça se fait tout de suite, mais pas plus de 15 minutes, hein, d'accord? Ouais, bah j'envoie avec mon collègue. Je lui dis que quand j'ai réglé ça. Vous me rappelez très très vite, et sinon on remet ça un autre jour, c'est pas grave, hein, pas de problème, ok? D'accord, je vous rappelle très Allez, vite. à tout de suite, je reste sur la fréquence. Bon, c'est le même, hein. Oui, Je suis c'est. parti. Alors, je me suis rappelé de son nom en regardant la vidéo. Brian. Brian. Ouais. Eh oui, on a déjà businessé avec lui. Ouais, pour les clous. Je suis parti à Hop Greenmo. là. Oh merde, t'es parti à Greenmo? Ouais. Oh. Je vais sortir le baril. Mais dans le sas? Ouais, je vais le mettre dans le sas. Je le cache. Il faut bien lui rappeler aussi que notre stock n'est absolument pas dans la maison. Bien sûr. Par contre, contact. Je vais pas donner ton nom, bien sûr. Oui. On leur vend le baril avec?
Tu leur dis justement qu'il y a 18 000 de barils gratuits. Ah ouais? Ouais, non, mais je veux dire le baril physique, quoi, le baril en métal, quoi. Ouais, tu leur donnes. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah, ils vont pas venir avec des poches plastiques de supermarché. Ils se démerdent, j'en ai rien à foutre. Non, mais attends, de toute façon, tu sais quoi, l'autre 300 000, mais le baril, c'est 500. L'autre, il était encore en train de me faire à l'envers. Oui, mais alors attendez, parce que c'est pas moi qui ai la voiture. Bah, je lui dis, c'est pas grave, tu montes à Green Mountain. Ouais, mais c'est pas moi qui ai les sous. Ouais, t'as rien, t'as que la gueule, quoi. Non, mais je sens que ça va être encore un truc, ils vont encore essayer de nous la faire à l'envers. Will Smith, oula, le vendeur d'essence. Allô, allô, Will Smith, comment vas-tu? Ça va, mais je suis un associé Gérard, là, c'est quoi ce sport? Je suis encore avec eux. Un virement à ta distance. Je sens que je vais me faire... Allô, Will Smith, je t'entends faible. Est-ce que tu me reçois bien? C'est quoi cette histoire de virement dans les îles Caïmans? Là, je peux pas faire de virement. Tu peux tout à fait faire un virement grâce aux gentils marchands qui sont à Green Mountain. Si tu as l'argent. Non, mais je veux le baril devant moi là, c'est quoi cette histoire? Non, 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 non. Quand le virement est fait, si tu veux, ton collègue peut attendre avec moi, hein, dans le sas de notre maison, tranquillement. Et dès que le virement est fait, je lui ouvre la porte, il part avec le baril. Si le virement ne se fait pas, il sort jamais de la maison. Ni lui, ni le baril. Voilà, c'est tout. C'est très simple, hein? Non, ça vous semble pas simple? Non, mais lui, c'est pas grave, mais le baril... Le baril est dispo, là. Alors, par contre, je vous rassure, ça ne sert à rien d'attaquer notre base, parce qu'en fait, on a un contact qui nous fournit potentiellement de l'essence. Nous, on n'a pas le stock d'essence, hein. Ah, donc vous n'avez pas le baril? Si, on a un baril à vendre, mais on n'a pas le stock d'essence. On n'a pas 15 barils à vendre. Bon, et c'est où le point? Tu sais où c'est, Gérard? Ouais, je te dirai par radio. De toute façon, si oh, mais c'est pas ce que... faire tout péter. Bon, bah, tu fais péter, mais t'es mort, tant pis. Hein. Et après, les gars, oh, si vous venez dans l'esprit de faire péter, ne venez pas, hein, ça sert à rien. Ah, oh, non, non, on vient. Alors, vous voulez un baril d'essence, c'est vous qui voulez que Gérard y vienne? Oui, parce que la dernière fois, vous avez essayé de nous la faire à l'envers, comme des petits coquins que vous êtes. Quoi? Bonjour. Tu viens de tomber sur mon contact. Arthur? Ah, votre contact. C'est à lui que tu verseras l'argent. C'est la monnaie, c'est ici, monsieur. Combien le tarif? C'est 300 000. Ça fait à peu près l'équivalent de 15 euros le litre. Ça va, c'est pas très cher. 15 000 roubles. 300 000 roubles. Non, quoi? Pour le baril complet. Ouais, non, mais ça fait combien le... Un litre, 15 roubles. Si tu fais... On fait pas de jerrycan, on n'est pas des épiciers, nous. Hein, on vend que le baril, hein, c'est tout. Ouais. Gérard, arrête de répéter tout, s'il te plaît. C'est chiant. C'est qui, c'est Claude? Combien de jerrycan un baril? Il y a 200 litres dans un baril, il y a 10 jerrycan. Ça marche, c'est vendu alors. Pas de problème. Fais le virement, 300 000, mon contact. D'abord, je te confirme que je suis arrivé chez lui. Hein, parce que ouais, bien. Ah bah, si tu te fais tuer par des loups ou des trucs comme ça entre temps, ça sera dommage. Ouais. Ok, les gars, je vais dans le sas. Bozo, t'en es où, toi? Prêt à faire le virement, monsieur? Contact? Ouais, c'est moi le contact. Ouais. Marlou, t'es où, toi? C'est à Rogovo, c'est ça? Rogovo, ouais. Allô, à la ferme de Rogovo. D'accord. Marlou, t'es où? Ah ouais, mais y a un depuis tout à l'heure, je te parle, mais tu m'entendais pas, j'avais envie de couper. Je suis en bas de l'escalier derrière la porte. Vérifiez que c'est pas de la pisse dans vos carburants. Non, 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 c'est indiqué. Tu verras, il y a un petit panneau dessus. C'est bien marqué gasoline. Oh, 203 kilos, il n'y a pas de problème. C'est pas du lait de chèvre. Quel intérêt, on est de l'eau. Non, mais surtout que nous, on n'est pas là pour faire des embrouilles. Nous, on est là pour faire de l'argent, c'est tout, les gars. Uniquement, méfiez-vous pas outre mesure. Après, dans les deux cas, je vais goûter, et dans les deux cas, ça me dérange pas d'en boire. Tu peux essayer d'en boire, mais tu verras, c'est marqué gasoline dessus, il n'y a aucun problème. Sur toi, tu connais bien le goût? Des deux, oui. Je connais très bien le goût, surtout de l'essence. C'est un siphonneur. Mais alors, qui c'est qui paye? Qui paye? C'est bien raffiné. Ouais, oui, je connais. C'est qui fait le chèque, là? Ouais, c'est moi. J'ai une station de goût. Allez, tu fais un petit virement, Et est-ce que vous avez des jerrycans vides? Non, on n'a pas de jerrycan et le baril m'a été fourni par mon contact.
C'est toi qui es dehors? Oui, c'est moi. En dehors du sas? Oui, en dehors. Ah. Voilà, voilà. Donc pour le transfert, c'est Albozo. Gérard, t'es sur place, Gérard? Non, il est pas encore sur place, on l'attend. Gérard est pas sur place. Là, j'ai la tête. C'est un peu plus loin, je pense. C'est là-bas. Fais gaffe, Marlou, qui te voit pas, par contre. Parce qu'il pourrait bien essayer de t'affuster de loin. En revanche, si ça se passe mal, il sort de la... Alors, il y a une ferme, la safe zone. Ouais, viens, sur l'autre côté de la ferme. Ouais, je te vois, ok. Je suis là. De toute façon, j'ai pas de patte. Je vais le mettre sur mes genoux. Oh, de toute façon, tu peux le laisser là, on peut le surveiller un petit peu. J'espère que personne va venir le voler devant chez nous. Non, tu ramènes ce baril, s'il te plaît, Gérard. Non, ça ira bien. Ok, bah on attend que le virement se fasse. Et puis, viens voir. Tu peux ranger ton arme, ça craint rien. Vas-y, entre. Oh, voilà. Y'a plus qu'à payer, carburant, Gérard. Est-ce qu'il t'a l'air beau ce carburant? Ouais. Il est où ma gourde? Albozo. C'est ça, c'est moi. Première qualité. Hein. C'est bien moi. C'est bien moi. Albozo. Je t'ai goûté. Il est bon. Vous me confirmez le virement, c'est pour Albozo là, parce que monsieur Albozo. Ah oui, c'est de l'essence. Très bien, tu peux confirmer ça à ton collègue. Oui, Bozo. Il faut que tu confirmes le nom donc c'est de la bonne essence, j'ai goûté. Virement. Bah, à toi, à Bozo. Ouais, mais déjà, la radio. C'est bien à Albozo que je dois faire le virement. Ouais, fais le virement à Albozo, ouais, c'est ton contact ouais, là-haut. C'est bien à Albozo que tu dois faire le virement. Bon, la qualité a été contrôlée, elle est bonne, hein. Y a pas de problème, la quantité est là, tout est bien. Un bon goût. Hein. Ah ouais, bah, première qualité. Alors, on a possibilité d'en avoir encore. Mais pour ça, il faut que je contacte le gars qui nous livre. D'accord. Voilà. Oui, donc. Attends. On est quand le temps. Alors, on en est niveau transfert. Alors, on a 300. C'est bon ? 300 000 sur le compte. Allez, on ouvre, messieurs. Vous avez dû recevoir un SMS de confirmation. Pas de problème, votre camarade part avec le baril. Merci. La confirmation est faite, merci. La banque a pris en compte. Allez, je vous souhaite la bonne route. Est-ce que on peut enlever la capote de votre voiture, là, ou pas, vous? Oui, lui, on s'est enlevé, là. Ah, parce que normalement, avec ça, on peut tirer quand on est derrière, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, mais avec tout type de véhicule, on peut faire ça un grand nombre. Ah ouais, mais pas les véhicules qu'on a toi, quoi. Bon, ok, bah les gars, vous nous recontactez radio si besoin. D'accord. Allez, good business cette fois. Ouais, désolé pour la dernière fois. Transféré 300 000 sur... Peut-être que j'en avais pris un fumé un peu trop. C'est possible, les gars, il faut faire attention à ses nerfs et rester calme tout le temps. Et pas d'accident, hein, sinon vous êtes la bombe humaine là. Ouais, c'est vrai, faut pas que je me croche. Allez, je coupe les comms radio, j'ai plus de piles, camarades. D'accord. Ok, j'ai coupé. La vente est faite. Ouais, 300 000. Ok, donc on verse 200 000 à notre contact. Et prudence. Ah, c'est bien, on vient de se faire 100 000. Ah bah oui, c'est bien. C'est pas mal, c'est un bon début, on va dire quoi. Comment fais-tu? Maintenant, mets tes mains sur la tête. J'ai appuyé au hasard. Oh, j'ai tombé sur le bon, je voulais pas faire ça, je voulais faire n'importe quoi. Voilà. Contact. Allumage, ici... démarrage. Ici livreur. Oh putain, pourquoi il y a une radio par terre encore? C'est la mienne? C'est la tienne. Oh putain, le virement vient d'être effectué sur ton compte, contact. Ok. Parfait. 200 000, c'est bon 200 000? Le livreur. C'était 150, non? Ouais, mais 200, tu nous as aidé au début, camarade. Pas de soucis. Très bien. Et ils ont pas tellement tiqué sur le tarot. Oh bah, super. Voilà. Donc, si besoin, on peut relivrer. Hein. Donc, bon, là, j'ai coupé ma radio pour le moment. Mais... Bon, tu me diras, je pourrais la laisser, tu vois. Qu'est-ce que j'ai comme pile? Ouais, je vais la laisser un petit peu. Sur 91.9. Ah, attends, on m'appelle par radio.
Allô, qui me parle dans la radio? Allô, allô, camarade, tu me parles dans la radio? Les villes de spawn. Allô? Allô? Impatient. Ouais, allô, allô? Allô, allô, vous me parlez sur la radio, les gars? La radio, c'est... Vous m'entendez? Ouais, je t'entends, c'est toujours moi, 91.9. Ah, ok, ouais, on va peut-être changer de radio. Ah bah ouais, changer de radio, parce que je l'ai laissé allumer des fois qu'il y ait des gens qui veuillent acheter des trucs. D'accord, je vais laisser... Alors si vous pouvez changer de channel, ça m'arrange. Parce que sinon je suis obligé de refaire une publicité, ouais. D'aller voir l'autre compte journaliste là et tout le bordel. D'accord, donc bah, dès que je suis chez moi, parce que voiture c'est compliqué de... Ouais, ouais, pas de problème. Bon, c'est bon, non, mais c'était eux, ils parlaient dans la radio comme ça, histoire de dire. Ozo, je t'ai mis ta radio dans l'armoire bleue. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas trop de Z quand même. Non, ça dépend des moments. Bah, va dans la petite maison en bas de la côte, tu vois. T'as ta radio toujours allumée? Ouais, 91.9. Des fois que. Qu'est-ce qu'il veut lui là? Oh le maravage. Ah merde. Aïe 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 aïe. Oh putain, dis donc, ça fait mal hein. J'ai un crash d'hélico juste là. Putain, je suis à moitié assommé. Ah ouais? Ah ouais ouais, j'ai du noir. Arrête, 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 ça me fait des dégâts. J'ai du noir tout autour de la tête. Putain. Ah mais non, mais ça c'est... Je suis au-dessus de chez vous. Ouais ouais, on voit bien. Viens, il y a du terrain dégagé par là, là. Bien plus sur... Ouais voilà, droit devant. Allez, on va partir faire un petit tour de l'hélicoptère là. Bon. Stationnaire, et tu peux. T'es pas dans la forêt là? Si, si, dans la forêt là. Avance, avance, avance. Vas-y, descends. Stationnaire, et tu peux descendre. Je me barre pour pas me faire écraser. Moi. C'est un coup à faire la casquette. Ah bah là, ouais. Oh là, doucement, 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 doucement. Putain. Putain. Attends, on peut te pencher quand tu t'approches d'un truc. Ouais. Vas-y, Marlou, monte. Moi, je vais pas t'aller. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez-y. Quoi? Regarde, hop, comment t'as fait? Bon. J'ai visé ce coin-là et c'est bon. Il est mort. Vas-y, allez, vas-y, ah, descends. Voilà, ce siège, vas-y, peut. Descends, Marlou. Non, je rigole. Ah bah vas-y. Là je peux, là je peux. Viens ici, celui qui est noir là, viens ici. Celui qui est noir, c'est Marlou, il est tout noir. Non, celui qui est noir, pas noir. Ah ouais, ouais, attends, non mais je vais monter dans l'hélicoptère moi, ici là. Là, si tu vises. On est tous dedans, il manque que toi. C'est bon, et puis on est dedans, vas-y, on se barre de là. Et imagine que t'as des gens qui nous tirent dessus depuis tout à l'heure. Ah ouais, alors attendez, là... montez, descends, pousse, reviens. Les mecs, ils auraient passé toutes leurs balles entre temps. Tout le monde est monté là? Ouais, on est dedans. Ouais. Allez, go! Allez, hop, bah attends, il faut que la turbine. Turbinosaure! Allez, on est parti faire un tour avec les ermites. Hein. Les rois du pilotage. En avant, petit bolide. Les fous de la vitesse. Oh là là. T'es toujours en stationnaire? Oui. Ah ouais, d'accord. Facile. Ah, le décollage, c'est ce qui va le mieux. Ah oui, c'est l'atterrissage, je peux dire. Ouais. Parce que décoller, ça va. Oh putain, à part quoi j'ai des 5 par moment. Ah bah ça c'est à éviter, vol plus haut peut-être. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oula oui. Vol, monte en altitude. Ah ouais, c'est days, hein, faut pas faire les fous. Hein. Ah, je vais sortir des véhicules pour ce que ça fait. Vas-y. Y'a pas de parachute. Hein. Saute. Vas-y, maintiens F. Faut que je m'achète un petit gyrocoptère. On va aller au gouvernement, je vais vous montrer tout de suite, et puis après on remontera par les crashs d'hélico. Ouais. Par exemple. Bah, il y en aura qu'un qui descendra par contre. Ah ouais ouais ouais. Ouais. Le copilote en général. Et de derrière, vous pouvez tirer dehors? Je crois pas. Marlou, toi t'es assis en position de pouvoir tirer dehors normalement. Ouais mais non parce que j'ai une porte, la porte elle est merde. Devant ma tronche. C'est dommage. Et si tu te mets debout? Je vais éviter de trifouiller tous les boutons pendant qu'on est en vol. Vas-y, c'est sans danger. Ouais c'est ça. Ouais. À ta ceinture c'est bon. Bah c'est vrai que pour les promenades c'est pratique. Ah
Bah tu vas d'un point à l'autre, c'est vite pas eu. J'ai vu que les earplugs, tu peux monter ou baisser le son, mais je me souviens plus quelle touche il faut. Ah, je F. Sais pas. Comment? F. F non, bon, F c'est action. Tout le monde sait nager? Ouais, ça va. Oui, j'ai mon brevet de natation. C'est logique. En face de nous, ah, le pont. Exact. Est blindé de Z, très difficile à atteindre. Mais faisable si vous avez beaucoup de stamina pour courir tout le long. Oh là là. En sautant sur les voitures. Maintenant ils ont été durcis les Z. Ah ouais, c'est le bordel là. On peut même plus écraser la bagnole. Mais non. Ici il y a des ours. Ah ouais. Toute la montée jusqu'au château. C'est des cons. Donc à mon avis, si vous passez par le pont, il faut passer par la droite de l'île. Hein. Ouais mais en fait non, tu sais quoi, faut arriver en bateau ou à la nage, mais faut pas arriver par le pont là. En bateau, ben, tu vois, il y a des endroits où tu pourras pas accéder. Hein. Ouais, exact. Si vous crevez pas des aides, vous crèverez des ours. Voilà, donc c'est ça le complexe. Oh là là, le bordel. Pourquoi une sonnerie qui... Une sirène. Parce qu'ils nous ont vu. Une sonnerie ? Oui, il y a une sirène. Oh putain, je me casse. Ouais, barre-toi, ils vont nous tirer dessus, ces cons-là. Oui, il y a sirène, ouais. C'est le gouvernement qui est là ? C'est l'île du gouvernement. D'accord. Je veux parler aux responsables. Il n'y a pas une lumière rouge quelque part ? Non, je vois rien là. Non, je semble pas. Je veux parler aux responsables. Quand il y a une sonnerie, c'est qu'il y a un largage. Il y a ça saute par moment. Ouais, ça fait la fumée jaune, non ? Non, c'est pas toxique, mais. Ah, d'accord. C'est bombardé. Et si tu te poses sur le toit, qu'est-ce qui se passe ? Rien. D'accord. Ouais, mais après t'es emmerdé, par contre tu peux pas descendre. Tu peux pas descendre. Je ne sais pas s'il y a un accès par le toit, ça m'étonnerait. Non, il n'y a pas d'accès par le toit, non. Oh là là, le fourbi. Par contre, c'est un empilement de trucs. Ouais. Oh, putain, ça doit faire des belles D5, non ? Ah ouais. Non, là ça va. Là en bateau, tu peux accéder à droite, là. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un des seuls endroits où ça passe. Voilà, donc là on peut acheter un bateau, nous il y en a largement de quoi. Ouais. C'est pas cher. Ouais, ça tire sur le pont. Ah ouais ? Sur le pont ? Ah oui, il y a de la fumée. Ah ouais, exact. Ah mais c'est le bombardement. Ah bien. Bah reste loin. Voilà, donc là, ça, apparemment, il y a du fric là-dedans. Ah bon ? Il y a du fric et des armes, enfin des trucs comme ça, quoi. Oh là là. Ouais, mais en fait, toi, il n'y a rien qui t'empêche de te poser en hélico, là. Non, mais par contre, il y a bombardement. Ah ouais, d'accord. Donc je pense que le pilote doit se casser avec l'hélico ailleurs. Parce que là t'as une zone, regarde sur la droite là, qui est largement assez dégagée pour poser. Ouais. Voilà. Ah, le mieux c'est bateau. Il va récupérer ceux qui sont morts pour les ramener sur site et ainsi de suite quoi. Ouais, ou sinon bateau. Ouais. C'est quoi le truc bleu à droite ? Il y aurait pas une base là-bas ? C'est pas, il y a un truc bleu. Droit devant. C'est une maison qui a un truc bleu sur le toit. Là en bas, là. Sur une bâche. Une bâche ? Ouais, sur une ruine. Attendez. Oh, c'est bizarre ça. On va essayer, ouais. Une voiture à gauche. Voiture à gauche dans les kékés. Ah ouais. Il y a une voiture cachée, ouais. Eh bien, écoute, on a peut-être trouvé le spot. Tu peux descendre, y'a rien dessous. Tocania, y'a rien ? Non, y'a rien, vas-y. Allez, je descends. Je pense qu'on a trouvé le POI drogue. Ah ouais ? Oh, c'est bon ça. On pourra leur en vendre. Je sais même pas où on est, pour te dire. Après, tu veux descendre, tu veux aller voir ? Ouais, faut voir. Ouais, il en faudrait un qui descende. Je peux descendre et remonter assez facilement. Ouais, vas-y. On surveille, on fait le mort. Allez, descends gros. Attends. C'est normal, je n'étais pas ouvert la porte, c'est vrai qu'il faut que j'ouvre ma porte. Ah d'accord. Allez, vas-y. Oh putain, j'ai tombé la gueule par terre. Alors qu'est-ce que c'est que ce business ? On va prendre un coup de RPG dans le nez. Ah
En bas. Y'a rien. Merde. Attends, je vais aller voir en haut. À l'étage, y'a des caisses. J'ai l'impression qu'il y a des caisses. Ouais, ouais. Je monte. Non, y a, par contre, y'a pas l'air d'y avoir d'humain. Merde. Ah, c'est con. Ah non, non, c'est juste une baraque, quoi. Dommage. Je vérifie quand même. Mais je pense que le véhicule... Ouais, ouais, non, il y a bel et bien une bâche bleue, mais... Ouais, le véhicule, c'est un métro d'Est qui est mort, là. Ouais, ouais, je pense. Oh, j'ai vu que dalle. Go! Bizarre, cette baraquette, là. C'est quoi, ce pont? Bah je sais pas exactement ce que c'est. Ils ont fait un demi-pont en fait. Il y a un tunnel, hein, t'as vu, il y a un tunnel hein, au bout du pont. Ouais, ouais, ouais. Dans la montagne. Ah bon? Dans la colline, ouais, tu vois, il y a une sorte Faudra que je vienne voir ça de près un pied un jour. Parce que là, le pont, je sais pas trop où ils veulent le faire passer. Hein. Bah, d'une part, il s'est cassé la gueule au bout. Ah ouais, bah je comprends bien. Ouais. Dis donc, il devait aller sacrément loin, ça. Ça, c'est le barrage. Le barrage. Fumier en bas, c'est quoi? Où ça? Ah ouais, 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 exact. C'est quoi? C'est un hélico. Vous voulez y aller? Ouais, ah, vas-y, allez, on va y aller. Pose-toi un peu plus loin. Voilà, calme-toi. Je fais le gay. Coucou. Allez, je veux descendre. Je peux pas, je fais. Je peux pas descendre. Si, normalement, tu devrais pouvoir là. Ça y est, je suis descendu. Pourquoi je peux pas prendre mon arbre en main? Ah, bah, t'as intérêt de la prendre parce que ça va être tendax. Ah, mais tout le monde est descendu. D'accord. Allez, j'ai un peu. Ça veut pas prendre l'arme. Ah mais des fois, écarte-toi d'hélico. C'est qui tire là? Ah d'accord. C'est moi. Ok, vu. Non, je ne peux pas la prendre. Alors en qu'est-ce qu'on a de beau? On a encore une arme, bravo, une de plus. On a une file de veste. Quelqu'un a besoin d'une veste tactique? Non. Je la prends, de toute façon on verra bien. Je sais pas ce que j'ai pris mais je prends. Des pantalons, je prends des poches à douille, des bottes, je prends. Ouais, vas-y, on prend tout, ça s'en bat les couilles. Voilà. Voilà. Ah bah ça va mieux. Ferme ta porte, tu vas t'enrhumer. Ça va mieux, mon cousin, alors on est parti. Là. Ouais, je vois sous la map. Parfait. C'est beau. Vol stationnaire, s'il te plaît. Hop. Allez, enlève le stationnaire pour décoller, ça sert à rien, c'est pour les minables. Tu décolles tout droit et tu piques du nez direct dès que t'es à la hauteur des arbres. Vas-y, viens voir le terrain. Stationnaire, c'est que pour se poser le stationnaire. Vas-y, monte tout droit et pique du nez maintenant. À fond. Mais je suis à fond là, c'est bon. Ah bon? Oh putain, mais c'est pas les hélicos d'armes, nom de Dieu. Ah, par contre, maintenant, prendre l'altitude hein, parce que là, tu vas sur les sapins. Là. Non mais si je vais plus, je me crache, il faut pas non plus... Si, il faut y aller à fond, moi je me crache régulièrement comme ça, moi. Ouais. Là, tu fais des décollages de pilote professionnel, tu sais, hop, tu décolles, brum, et bim, un arbre. Je suis amateur. Tout le monde a son petit sac en carton... Ouais, c'est mieux, là. ...dans son siège. C'est mieux. La première fois que j'avais fait un décollage avec mon gyrocoptère sur Arma, je m'étais pris le silo qui est juste à côté de chez nous, là, dans le Cold Coast. Putain, j'avais fait un joli décollage, là je tourne, bing, si long, j'avais oublié. C'est bon, tu peux te poser là, ouais. Pose-toi là, t'emmerdes pas la vie. Ouais, ouais. Bah, les mecs en train de nous dépouiller la maison. Non, 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 ils ont pas le droit, c'est pas l'heure. Ah, tu veux te poser sur le toit, toi. Sur la moissonneuse, il va s'accoupler. Ouais, ouais, droit devant. Devant là. C'est quoi cette espèce de fumée que ça fait là-bas dans le... Regarde dans, au carrefour là. Oula, attention. Dans les arbres. Ça passe. N'a pas peur. Ça va bien aller. Merci monsieur. Allez. Allez c'est hop, sûr. Merci. Allez pour la promenade. C'était fort sympathique. Alors ferme la porte, c'est bon. Tout va bien. C'est bon. Go. En avant. Allez, je rentre. Tu vois, vous la voyez pas la fumée là, devant nous? Non. Non. Ici là? Ça fait comme un nuage de vapeur là, ici là.
Ah, je suis dedans là. Oh, ah, je vois rien. Ah, c'est peut-être l'hélico qui fait ça. Oh là, oula, 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 1 FPS et demi. Oh là là. Ouais, en fait, c'est un nuage mangeur de FPS, je crois. J'en ai peur. Une nouvelle variété. Ouais. Bon bah les petits amigos, on aura fait un bon petit business d'essence, on a pris 100 000, c'est très bon. Oh putain, bravo, Gamel. Et on a fait un bon petit tour en hélico, on a récupéré encore de l'armement. Peut-être que prochainement on va se faire attaquer, tout est possible parce qu'on est quand même un petit peu intéressant. Et on va continuer d'essayer de faire de nos business d'essence. On verra si ça se passe bien ou pas bien. Allez, portez-vous bien, faites pas les dingues, méfiez-vous des voisins. Et en avant la fortune.